Bonjour Internet, bonjour les canards, ici Casamania, bienvenue sur cette vidéo Roblox. On va découvrir un nouveau mode ensemble les amis, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, un partage si vous aimez découvrir les vidéos avec moi sur Roblox. Aujourd'hui c'est un mode qui s'appelle Rotel Tycoon, pardon. Donc Rotel Tycoon, le principe étant de manager un magasin. Donc on s'était déjà fait, rappelez-vous, la Pizzaton. Donc le principe c'était de travailler pour une filiale de pizzeria et d'améliorer sa maison. Là on va vraiment apparemment, si j'ai bien compris, être le gérant directement d'une boutique. Donc on va se faire le basic overview pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, il faut déjà trouver une place vacante. D'accord. Ensuite, on l'achète. On va donc avoir un magasin. Il va falloir placer des trucs. Ok. Genre des armoires, etc. Et ensuite, de quoi vendre. Ok. La bouffe, etc. Ok. Après, on peut voir si ça plaît. Ensuite, il faut une caisse pour faire la queue et vendre et faire de la money. Et après, on pourra même embaucher des gens. Ok. Et ensuite, on pourra même augmenter la taille de notre magasin. Très bien. Bon, on va voir ça tranquillement. Oh la vache. C'est à quelqu'un ça? C'est une personne qui a tout ça? Zap zone. This place is huge. Oh, so huge. Ah, on va voir. Ah, c'est lui, c'est le mec, regarde, c'est lui le manager. Putain, la vache! Il y a même des arbres à billets! Tu peux lui carotte ou pas? Que dalle, je peux rien carotte. Oh, sérieux? C'est quoi son nom? Roblox JCB. D'accord, il a son rang, c'est 5, il a 5 points. Enfin, il a 5, voilà, il est rang 5. C'est-à-dire que. Bon, on va s'installer pile en face. Il y a de quoi se sentir un peu faible, Lyon, mais tant pis. Allez, c'est parti. On va rentrer dans la boutique. On va faire donc manage. Waiting for come in. Ok, pour l'instant, personne ne peut rentrer. Supply, j'ai rien. Upgrade, j'ai rien. Worker, j'en ai pas. Furniture, ok. Donc on va se faire une petite caisse ici. Putain, ça prend de la place. Hein. Ouh, ça prend de la place la caisse. Alors. Où est l'entrée, où est la fin? Dans quel sens ça va une caisse? Tu vois pas trop. Attends, on va aller chez la personne en face. Comme ça au moins, on fait pas de bêtises. On voit dans quel sens sont les caisses. Tiens, Pénélope, pousse-toi. Tu veux. Après, il a peut-être même pas de caisse le type parce qu'il a tout automatisé, tu vois. Ah, si, il a un caissier là. Alors, ah oui, ça marche comme ça. Donc, en gros, les caissiers ils sont contre le mur. D'accord, ça marche. Ok, ça roule. Allez, on va aller voir ça. T'as les trucs qui se téléportent, ils courent dans tous les sens. Ouah, ouah, ouah. Oh, du câble, y a rien là. Y a rien encore. Bougez pas, vous excitez pas, bougez pas. Allez, c'est parti. Furnish. On va se prendre une furniche et ma caisse enregistreuse. Donc, ça sera la caisse qui sera dedans. On va se mettre de ce côté, tiens. Donc, si j'ai bien compris, dans ce sens-là. Yeah! Ok, on va se mettre. Qu'est-ce qu'on va vendre? Parce que je sais pas moi ce que je peux vendre encore. Pas grand-chose. J'ai pas trop le choix. Hein. Alors, comment je vais à ma caisse après? Je vais dedans comme ça et j'attends. Ah ouais, putain, ça pète! Et après, j'attends les gens. D'accord. Bon. Ok. Supply, qu'est-ce qu'on va vendre? Des sodas, des livres, de la bouffe. On va vendre des jeux vidéo. On va vendre des jeux vidéo. C'est parti. Alors, je peux mettre vidéo game là-dedans. Regardez. Ouh, c'est gros. Putain, ça coûte cher, j'ai déjà plus de sous. Alors, supply, video game. Comment je peux mettre là-dedans, il m'a dit? Faut que j'arrête avec la touche échappe. 45 video game. Ah vache. Bon, c'est parti, video game. J'ai 3200.
Oh, il y a un mec qui a 275 000, 275 000 dollars. Énorme. Popom. Pour chasser. Ok, je les ai donc achetés et maintenant comment je les place quelque part? Manage. Ah oui, je sais bien que. Ah voilà, comme ça. Oh! Ça pète! Et comment j'ouvre? C'est ouvert ou pas? Les gens peuvent venir ou ils en foutent? Ah, je suis ouvert, venez voir! D'accord. Ben voilà. Hop, 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 hop! Bonjour messieurs, bonjour madame. Il suffit que je reste dedans, je pense, pour être caissier. Allez-y, servez-vous. Enfin, servez-vous et passez à la caisse aussi. Hein. Ok, option. Ah ouais, ok. Open, close, color time. Ah, on va changer la couleur du truc. On va le mettre à. Vert Xbox. Non, c'est pas ça, c'est vert caca ça. Ah, j'aime bien. Alors, on se décide, monde de naze? Comment ça marche après? Ah, et comment je gagne des sous? Faut que je clique? Non, j'ai rien à faire. Pas assez de choses à choisir. J'ai trouvé des trucs intéressants. Bon, c'est pas bien. Ça va, elle achète masse. Merci, madame. Ok. Ça marche. On va faire à la française, ça marche toujours ça. On va l'appeler chez Casamania. Ça, chez les Éricains, ça marche bien. Chiou. Chez Casamania. Ok, bien. On peut mettre une icône, on va laisser comme ça. Ah, un panneau de musique. On va tester, hein. On va mettre la cool vibe. Et on va sauvegarder. Ok. Et normalement. J'ai de la cool vibe ou pas? Attends, il y a moi en tout cas. On va sortir, on va re-rentrer. Pas l'impression d'avoir de la musique. Dans le magasin, peut-être qu'il faut mettre un truc pour avoir de la musique. Genre un haut-parleur, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, ça se vend là pour le moment. Comment je vois les capacités déjà de mon truc comme ça? Je clique tout simplement dessus. Ah, fallait dans Manage. 27,45. Attendez, ouais, j'arrive, j'arrive. Oh, voilà. Voilà. Bon, comment ça gagne des sous? Regardez, j'étais à 2000, je suis à 2450. Ah. Apparemment, il y a un voleur quelque part. Ah bah le voilà, c'est lui. On va l'arrêter. Allez donc! Voilà. Il s'est barré. Ok. Juste le son, j'ai pas de musique. Dans mon magasin. Tant pis, c'est pas trop grave au pire. Ok, alors, qu'est-ce que je pourrais donc. On va regarder, on va reprendre autre chose. Hein. On va se prendre de quoi vendre de l'électronique. Allez hop. On va mettre ça là-bas. Et je peux mettre 10 électroniques. Donc, supply, électronique. Comme ça, 10. Ok, c'est bon. Je fais manage. Je remplis de 10 électroniques. Oh, ouais. Vous avez vu les fausses marques? Excusez-moi, les amis. Des Xbox One, des Xbox, des Playbox, des Samsony. Allez. Ça va y aller là. Qu'est-ce qu'on va vendre à côté maintenant? Des smartphones, freezer, non, on s'en fout. Des instruments, des morceaux de bagnole, des fringues. Ah, des fringues de geek. Des chapeaux. Des chapeaux. On va vendre des jouets juste au milieu, non? Ça fait pas un peu bizarre? Ah si, on va mettre des jouets, c'est parti. Comment je peux en mettre là-dedans? 30 jouets. Alors. Supply, toy.
Toi, 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 ils sont là. On va acheter 30. Hop, j'ai plus de sous du tout, je suis à 80 bucks. Et là, je remplis. Ok, là, il n'y a plus qu'à surveiller. On attend un petit peu, ça va redescendre. Ça va être pas mal. Alors, hi, Forks. Ok, là on va re-remplir en jeu vidéo. Pour l'instant, j'ai pas assez de sous. On va attendre un petit peu. Oh, le mec, 270 000 et qu'il a. Bon, je suis monté à 2,5. Je suis monté à 2,5 en 2,6 en rating. Ok, ah, je suis bientôt 1000 balles. C'est bon ça, on va reprendre des jeux vidéo. Combien je peux en mettre? On va racheter 35 jeux vidéo. Video game. 35, je peux pas. Donc 30 order. Et on va re-remplir ici. Voilà. Ok. On va commencer à réfléchir. On va bientôt pas agrandir, mais rajouter un truc. On sera un petit espace ici après, plus tard, une porte. On va se rajouter un truc devant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se. Ah, un worker, ça coûte combien? Ah, caissier, putain, ça. Oh, ça coûte pas si cher. Ah, si, 20 par minute. Ah, ouais, donc faut vendre. Faut vendre quand même, c'est pas encore mon cas. Je vais encore mettre plus de choses. Après, je mettrai le caissier et ça va tourner tout seul. Oh putain. Oh, je suis des patrons, ça y est. Allez, on va se prendre. Bah, pas grand-chose parce que j'ai plus de sous pour le moment. Manière de vendre des fringues de geek. Non, pas tout de suite, ça sert à rien. Plutôt, on va faire jeux vidéo, toy, électronique et on va continuer comme ça là. Bon alors, plus personne vient chez moi? C'est quoi ce bordel? Ah si, ça y est. Bienvenue chez Kaz. Ah, juste la musique qui marche pas, c'est con. Ah, cleanliness, crudiness, décoration. Ah oui, bah oui, c'est sûr que les décorations, il n'y a pas trop. C'est pas trop ça, ma grande. En même temps, j'ai pas. Ah ouais, je peux faire un truc plus gros là. Ah. Ah ouais, t'as vu la taille du truc, là, le prix du machin? Upgrade, qu'est-ce que je peux grader d'autre? Ah ouais, la tête du parking, d'accord, c'est vrai qu'il est extrêmement laid, mon parking. Et on peut acheter plus de terrain. D'accord, donc il faut compter quand même 1000 à chaque fois. D'accord. Alors, ce que je vais faire, on va être tactique. On va être réfléchi. On va refaire deux rangées de trucs. On va les remplir d'items. Et ensuite, on engagera un travailleur. Alors, toy food, candy, électronique. Allez, on va vendre des livres, tiens, un peu. Ah là, ça veut pas, là. Putain. Ah, il y a un truc dégueulasse ici, j'avais pas vu. Faut que ça soit nettoyé. Ah merde. Ben, je vais aller nettoyer. On va attendre que les gens finissent leurs achats. On va manager. Pour l'instant, c'est bon. Tout est plutôt pas mal. Excusez-moi, messieurs, dames, faut que j'aille nettoyer cette merde. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait qui vomissaient chez moi. D'accord. Merci madame pour vos achats. Alors, je voulais vendre des livres. Et là, ça veut pas. Ok. Ok, d'accord. Je peux me mettre là, là. Oh, bah écoute, on va faire ça comme ça. Des livres. Alors, des livres. Je peux en mettre combien là-dedans? 30, on a dit. Book. 30. C'est parti. Manage. Hop, 30 book, voilà. Donc c'est, en fait c'est la mini Fnac ici. C'est la mini Fnac. Toy, food, candy, electronic, shoes, book, video game, chips, soda, smartphone, tablette. Ça peut être bien. Ouais, ou je fous des vêtements à 700. Faut que j'éco 700 et je vais vendre des vêtements aussi à côté. Oh, quoique, non, faut que ça reste plutôt la Fnac là, ce premier lieu.
Je sais pas trop ce que je vais vendre d'autre. Dans l'idée. C'est électronique. Dans l'idée, il faudrait vendre genre des smartphones. Il me faut 700. Donc on va éco 700 et après. On va faire un supply en smartphone. On va faire 20 supply en jouet. Ah, j'ai passé. Putain. Bleu. Oh, le mec qui me paye télé. Ouais, ça c'est bon ça. Ça fait monter du cash. Ça fait monter du cash. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Une télé, monsieur? Une petite télé, monsieur. Allez, quoique j'ai encore 27, 30, 31. Ouais, allez, des toys, j'en ai acheté 20, ça sera fait. Voilà, manage, je remplis en toy, voilà. Bon, on est pas mal. Ah, je peux restocker directement en faisant juste comme ça, restock. Ah non, d'accord. Tu peux déjà acheter en avance du, des, tu peux déjà acheter en avance des items et les restocker après. Ah, c'est pas con. D'accord. Salut Kuba. Kuba, on va faire un tour ici. Ok. Pff, mec qui tombe tout seul dans le vent, comme une merde. Allez, achète-moi une télé, toi. Achète-moi une télé, faut que je passe à 700. Ah, il y a l'autosave qui marche bien. Ouais, vous avez vu les. C'est rigolo, les jeux. Ils sont liés à des vrais jeux, à des vrais modes, comme par exemple Phantom Force. Rotel Tycoon. Super Paper Roblox, ça je connais pas, et Fire Team non plus, et le Ice non plus. Bon alors. Il tourne, mais il va falloir choisir un truc et passer à la caisse, monsieur dame. Ah, il y en a qui sont à moins 215. Ah, tu peux avoir moins de sous que. Ok. D'accord. Bon. M'achète cette télé. C'est vrai que ça manque trop de musique, quoi. Par contre, ça, c'est chiant, putain. Fait chier qu'ils mettent pas la musique. Ah. Je sais pas pourquoi ils veulent pas. Hein. Disco Lounge. Moi, je dis disco. Putain. Ah, mais ils sont restés 1 heure dans la boutique. Il m'a acheté 3 livres, quoi. C'est pas rentable. En même temps, 20 par minute, un vendeur. Si je le garde 10 minutes, je perds que 200. Et je pense que. Allez, je vais m'embaucher un type. Worker. Caissier pour bah un seul caissier. Un seul caissier, là viens. C'est bon ça. Merci. Allez ma poule, je te laisse bosser. C'est comme ça qu'on devient un patron. On laisse les autres bosser et on engrange du fric, du gros pèse. Est-ce que lui il a de la musique en face? J'ai même pas fait gaffe. Chez Zapzone. Ah. C'est peut-être parce qu'il a des haut-parleurs ou un truc comme ça. J'ai demandé. Alors, how to. Ah, bon. Alors, c'est le clavier américain, c'est chiant. How to have. Song playing. In your. Top. Hop! Comment avoir de la musique qui se joue dans le magasin? Ah, il y a du monde en face, regardez. Allez, j'y crois. Vas-y, ma caissière. Voilà. Ça commence à engranger du pèse. Du gros pèse.
700. Je vais pouvoir remettre un nouveau truc. On a dit qu'on allait vendre des smartphones. Voilà. Et après, on fera des portes sur les côtés pour aller autre part. On n'a pas répondu. Alors, on va pouvoir vendre des smartphones dans notre fourniche. Et 8. Et 8 smartphones, je pense que ça coûte un peu la blinde. J'achète 100. Bah, je peux en acheter 5 pour le moment. Hop, je les achète et je les remplis. Voilà. Alors, video game, faudra bientôt en racheter. Je suis à 3.1 en score de magasin. Ça va, il y a du monde, c'est plaisant. On va aller voir les magasins des autres en attendant. Je suis à moins 20 en cash. Elle me coûte des sous, la caissière. Ça va remonter, vous inquiétez pas. Alors, il a quoi lui? Alors, pour l'instant, il n'a pas de caissier. Il a une gueule, pas possible. Ah, c'est un ours, d'accord. Ouais, ok. Oh, il est flic! Il est flic chez lui. Bandito! Là, ça ressemble à quoi? Ah oui, d'accord, il y a des flics, il y a des gardes, mais il n'y a rien d'autre. D'accord. Lui, il a dû se tromper dans les commandes. Alors lui, par contre, il a un truc, mais laisse tomber. Ah, puis il s'est fait des murs en vitre et tout. Ah non, ça pète. On va aller voir par là. Il n'y a rien. C'est free. Et en face. C'est chez Kuba. Ils vendent juste des télés. Ok. Alors moi j'ai descendu là mon rating à 2.5. Comme ça se fait que ça descende autant. Allez, on va manager tout ça. Des books, on va en acheter. On va acheter des choses d'avance, ça sera fait comme ça. Alors, supply. Je vends quoi? Des books. Je vais m'en racheter 30. Des toys, j'en ai acheté 10. Des vidéo games, j'en ai acheté 10. Électronique, je vais m'en racheter 2. Voilà, et là j'ai plus de sous. Ok. On va remplir un book. Smartphone. J'ai pas. Ça, toy. On va en mettre. Ah merde, je me suis trompé. Book, ok. Ah merde. Ah, on va mettre. Bah, on va laisser les toys. Non, on va tout vider. Merci. Hop, vidéo game. C'est bon. Et là, on va mettre les toys. Et là, on va mettre électronique. Voilà. Et là, on est bon. Et là, ça y est. Ça y va. On va commencer à regarder, à réfléchir à l'upgrade du truc. Le parking. Je suis sûr que d'avoir plus de places de parking, déjà, ça marche. Je suis sûr que déjà, ça te fait gagner plein de, quand même plus de clientèle. Ah, c'est peut-être là-dedans pour avoir un truc qui fait la musique. Un speaker. Speaker, regardez, 350. Hey. Comment, où je le mets? Je le vois nulle part. On va réessayer. Build. Speaker. Pourquoi je le vois pas? Ou alors faudrait que j'enlève quelque chose, peut-être. Ah, regardez. Excusez-moi, j'ai cassé mon toit. Putain, boulet, 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 boulet.
J'arrive pas à le remettre du coup. Ah nul. Nul. Ah c'est peut-être ça, c'est tout en même temps. Ah merde, ça craint par contre. Ça c'est super galère par contre le mode construction qui marche trop pas. Ça c'est le sol, on est d'accord, donc je peux pas foutre un. Ok d'accord. Mais comment je remets un. Ok, donc ça s'accroche. Bon, moi j'ai un trou dans le magasin. Bon, c'est pas grave, ça prend l'air. Bon, bref, les amis, c'est un jeu plutôt rigolo. Donc, Rotel Tycoon, disponible sur Roblox. Petit mode sympathique. En tout cas, je trouve ça assez drôle, assez mignon. Et bah, c'est assez prenant parce qu'on prend son temps de monter son. De monter son petit business. Par contre, ce que je trouve un peu mal branlé, juste là, c'est effectivement c'est le build mode. Le mode de construction là qui, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me. Déjà, j'arrive même pas à foutre un plafond. Alors, c'est un peu con, c'est un peu bête. C'est dommage, mais sinon, c'est plutôt rigolo. Allez, très bientôt, c'est DK, prenez soin de vous, les amis.